Yorana, tout d'abord qu'il me soit permis de remercier les artisans de ces assises que nous suivons actuellement, Samantha, Jean-Louis Laflaquière, Rémi Hugon, Jenny Biret, qui travaillent depuis des mois et des semaines pour que ces assises se déroulent au mieux. Alors, on va rentrer maintenant vraiment dans le sujet du numérique éducatif. On descend d'un cran, après le numérique en général, le numérique éducatif. Et nous démarrons avec l'intervention de Catherine Becchetti-Bizot, qui a produit en 2017 un rapport pour l'inspection générale qui a fait date et qui fera date, puisque ce rapport permet de poser la question de comment enseigner, comment apprendre aujourd'hui avec le numérique. Et ce qui est très intéressant dans ce rapport, que j'invite chacun à télécharger puisqu'il est bien sûr en accès libre sur le site du ministère français de l'Éducation, c'est que c'est un rapport qui n'est pas fait à partir de réflexions d'experts qui seraient déconnectés de la réalité, mais c'est un rapport qui a été construit à partir des pratiques enseignantes. Catherine Becchetti-Bizot, pendant des mois et des mois, est allée à la rencontre dans les classes, voir les enseignants dans le premier degré, dans le second degré, dans l'enseignement général et technologique, dans l'enseignement professionnel. Elle est allée à la rencontre des enseignants qui enseignaient avec le numérique. Elle est allée à la rencontre des élèves qui apprennent avec le numérique. Donc son apport est tout à fait passionnant et c'est pour cela que nous l'avons invité à intervenir lors de ces assises. Et je le dis pour tous les personnels de l'éducation qui nous suivent, c'est qu'elle met en évidence deux points sur lesquels nous aurons à travailler dans les mois et années à venir. Tout d'abord, la formation. Bien évidemment, on a besoin de formation pour être plus à l'aise avec le numérique. Et non seulement on a besoin de formation, mais on a aussi besoin de nouvelles modalités de formation. Et c'est ce à quoi elle nous invite, des modalités de formation qui soient moins descendantes, plus coopératives, plus collaboratives, et qui s'appuient aussi sur ce que savent faire un certain nombre d'enseignants qui ont déjà développé des pratiques en la matière. Et puis, Catherine Becchetti-Bizot insiste beaucoup aussi sur le fait que nous avons besoin d'outils pour coopérer, pour collaborer. C'est toujours cette idée d'une formation moins descendante, mais beaucoup plus horizontale, moins verticale donc. Et pour pouvoir collaborer, coopérer ensemble, on a besoin de communs. C'est l'un des enjeux de ces assises. Quels sont les outils pour lesquels on est prêt à travailler ensemble, on est prêt à coopérer, dans lesquels on a confiance? Quel cadre de confiance se créer pour travailler ensemble, quelle que soit notre position dans le système éducatif, que l'on soit personnel, que l'on soit élève ou que l'on soit parent d'élève. Voilà toute une série de thèmes qui vont être introduits par Catherine Becchetti-Bizot et sur lesquels nous allons travailler jusqu'à samedi en fin de matinée ensemble. Bon visionnage à toutes et à tous. Bonjour à tous, je suis Catherine Becchetti-Bizot, inspecteur générale de l'éducation, du sport et de la recherche. J'ai commencé d'ailleurs à l'inspection générale dans le groupe des lettres et j'ai exercé dans ce cadre-là à la fois plusieurs missions et plusieurs fonctions. Et en particulier, j'ai été chargée par Vincent Péillon de préfigurer et de construire en fait une direction du numérique pour l'éducation, ce qui était un projet passionnant et qui a conduit à la création de cette direction du numérique pour l'éducation que vous connaissez tous, qui a donc dans les académies, dans les différentes académies, des bras armés que sont les DANE et les DSI, et qui maintenant irrigue l'ensemble du système éducatif. J'ai ensuite dirigé cette direction pendant 2 ans et puis, une fois que je l'ai quittée, j'ai continué à travailler pendant quelques années sur le numérique sous l'angle pédagogique, c'est-à-dire comment le numérique transformait nos manières d'apprendre, nos manières d'enseigner, réinterroger le rôle de chaque acteur de l'éducation, que ce soit celui de l'enseignement, du chef d'établissement, des élèves, des universités aussi, et essayer de caractériser ces pratiques nouvelles et de voir comment elles pouvaient contribuer, si elles étaient mises en place de manière systémique, à améliorer à améliorer la performance scolaire et à accompagner dans la réussite tous les élèves de notre système éducatif. Alors déjà, je dois dire qu'on a beaucoup discuté de ce terme parce que je n'ai jamais souhaité personnellement qu'on parle de numérique éducatif, et la direction s'appelle la direction du numérique pour l'éducation. Ce n'est pas un détail. Le terme numérique éducatif est resté dans les esprits, mais ça n'est pas un détail parce que l'idée, c'est qu'on ait un numérique qui soit adapté spécifiquement pour l'éducation et non pas qu'on intègre directement des outils numériques dans les classes sans que ce soit accompagné justement de stratégies spécifiques, d'une pédagogie spécifique, d'une ingénierie spécifique. Et le numérique pour l'éducation, c'est une pédagogie en fait numérique qui évidemment inclut à la fois l'équipement, bien sûr, mais surtout les ressources numériques pédagogiques, les stratégies pédagogiques, la formation des enseignants, la formation et le développement des compétences des élèves, et puis aussi les systèmes d'information qui sous-tendent la mise en place à la fois de ces pratiques, de ces ressources, mais aussi de ces modes de transmission et de traitement des données, des informations pour pouvoir déployer ces pédagogies et ces ressources numériques. Donc, c'est une conception comment dire, systémique, globale du numérique, adaptée spécifiquement à l'école et pour l'école. Voilà. Donc, ça n'est pas un plan, l'idée d'un plan numérique où on introduirait dans les classes des ordinateurs, des tablettes, sans penser de manière globale et systémique ce que doit être le numérique pour faciliter les apprentissages. Parce que l'éducation, là, en l'occurrence, il s'agit non pas seulement de l'enseignement, mais plutôt des modalités d'apprentissage, de la manière de faciliter les apprentissages pour les élèves. Effectivement, le numérique entraîne un changement de paradigme, pas simplement pour l'éducation d'ailleurs, c'est d'abord un changement de paradigme culturel et social, et sociétal, on va dire plutôt, qui imprègne l'ensemble de nos actes au quotidien, qu'il s'agisse de nos activités professionnelles, de nos représentations du monde, de nos gestes, de nos attitudes, de nos manières d'échanger, de nos relations. Donc, c'est un changement de paradigme sociétal d'abord. Mais pour ce qui est de l'éducation, c'est le modèle scolaire qui est mis en jeu. Donc, on a vécu pendant longtemps, depuis un siècle et demi au moins, presque 2 siècles, sur un modèle d'enseignement qui est un modèle d'enseignement frontal, c'est-à-dire où les élèves sont assis en classe dans un lieu unique qui est la classe, qui est une unité de temps et d'espace, et ils sont assis en autobus, comme on dit, avec des tables disposées alignées devant le professeur qui fait son cours de manière magistrale, ex cathedra, et qui incarne une autorité descendante, on va dire les choses comme ça, descendante pas forcément parce qu'il est au-dessus, mais parce qu'il est détenteur des savoirs et parce qu'il transmet le savoir à des élèves qui l'écoutent en silence. Les interactions sont limitées, il y a peu d'interactions horizontales, on va dire, dans la classe, et les élèves sont une somme d'individualités qui apprennent seuls, même s'ils sont côte à côte, ils sont seuls, mais ils sont côte à côte, mais pas, ils n'apprennent pas collectivement, ils n'apprennent pas ensemble. Ils s'apprennent parfois même en concurrence les uns par rapport aux autres. Donc voilà, c'est ce modèle-là qui, bien qu'il ait fait ses preuves dans beaucoup de cas, il s'agissait évidemment de pouvoir qu'un seul maître puisse enseigner à un maximum d'élèves, hein, ce modèle-là est complètement remis en question par le numérique. Alors, si tu le souhaites, je peux un peu détailler comment il est remis en question. Quel est ce nouveau paradigme? Alors, il ne faut pas tomber dans la caricature, parce que d'abord, le numérique peut permettre de mettre en place un nouveau paradigme, mais il ne le fait pas automatiquement. Pourquoi? On a bien vu qu'au début, par exemple, les tableaux blancs interactifs, dits interactifs, en fait, les élèves étaient mis devant un écran et ils étaient encore plus en situation frontale et encore plus en situation de passivité que par rapport à l'époque où le professeur était sur l'estrade et s'adressait à ses élèves et les interrogeait. L'écran ne parle pas. Il n'est pas forcément interactif. Donc, il faut se méfier de ces schémas où, à partir du moment où on introduit du numérique dans la classe, on pense qu'on va automatiquement avoir un modèle différent, interactif, de collaboration dans la classe. Ça n'est pas automatique. Et là encore, j'y insiste, c'est la manière dont le professeur va organiser, va mettre en place une stratégie pédagogique dans sa classe. C'est son ingénierie pédagogique qui va faire que le numérique va pouvoir apporter ou faciliter un nouveau modèle d'enseignement et surtout de nouveaux modèles d'apprentissage. Alors maintenant, si on veut le définir, je dirais que c'est d'abord qu'il facilite les interactions et les collaborations, typiquement le modèle d'une communauté apprenante, comme on dit, qui, lorsqu'une personne a appris quelque chose, peut la partager avec les autres et contribuer à la montée en compétences et en connaissance de ses pairs. C'est un modèle que je dirais plutôt arborescent, ou enfin celui de la toile en tout cas, si ce n'est pas une arborescence, c'est celui de la toile, et pas un modèle en tuyau d'orgue des apprentissages. Voilà, donc le maître devient dans ces conditions, garde son autorité, mais en tant que mentor qui crée les conditions favorables aux apprentissages de chacun, qui les différencie, qui met en place un environnement à la fois matériel et de ressources, une progression pédagogique, des objectifs, des cadres clairs, bref, une ingénierie pédagogique pour que ces élèves apprennent. J'aime bien citer la phrase toute simple de Marcel Lebrun qui dit qu'enseigner, c'est mettre en place des conditions, des situations dans lesquelles les élèves vont pouvoir apprendre. Voilà. Et il me semble que le numérique favorise ce modèle-là, dont je dirais aussi qu'il est un modèle durable d'enseignement, dans la mesure où cette manière d'apprendre va permettre, pas simplement ponctuellement, mais durablement, un développement personnel et professionnel tout au long de la vie. Et ce sont des compétences-là qui se développent chez les élèves, qui commencent en classe, mais qui se développent ensuite à l'extérieur de l'école et tout au long de la vie. Pour être encore plus précis, mais pour synthétiser aussi ce que j'ai dit, je dirais que le numérique modifie fondamentalement l'espace et le temps d'apprentissage. On peut aussi apprendre en dehors de la classe, bien qu'en lien avec la classe. Là encore, le maître garde cette position finalement centrale qui fait que même hors de la classe, quand l'élève est en dehors de la classe ou même de l'école, même après le temps de classe et d'école, il garde la maîtrise de l'organisation globale des apprentissages des élèves. Et c'est un peu finalement, on pourrait faire une analogie, c'est un peu comme le livre. Pendant des années, on a opposé le livre au numérique. Or, le livre n'a pas disparu avec le numérique, mais souvent, quand on pense par exemple au manuel scolaire, on a vu en quelque sorte le livre s'étoiler avec des liens hypertextes. On a une page colonne vertébrale de la leçon et puis on a des liens, des ressources associées, complémentaires, on a des développements d'activités possibles, mais le livre reste la colonne vertébrale de l'apprentissage. Simplement, il s'étoile, il se déplie et c'est en quelque sorte le rêve des encyclopédistes, hein. Il reste au centre. Moi, je n'oppose pas la culture du livre et celle du numérique, et de même, je n'oppose pas la posture du maître qui est détenteur de savoir qu'il transmet à ses élèves et du maître comme mentor qui accompagne et met en place les conditions d'apprentissage de ses élèves. Voilà. Donc, pour moi, c'est cela le changement de paradigme. Après, on peut rentrer dans des choses plus techniques. On peut considérer aussi qu'il y a des possibilités, dans le numérique, des possibilités infinies de conservation, de mise en mémoire des connaissances pour les rendre disponibles à tous et à tout moment, en tout cas en théorie, parce qu'en pratique, ces opérations-là, elles dépendent de conditions et de procédés techniques, d'architecture, d'organisation complexe, dont les clés ne sont pas forcément entre nos mains, elles peuvent être entre les mains de personnes qui nous manipulent, d'où les risques et l'insécurité associés à ces nouvelles pratiques, à ces nouveaux paradigmes d'apprentissage qui vont de pair donc, avec l'utilisation des outils numériques en classe. Et d'où aussi, ce qui est central, cette nécessité de développer chez les élèves des nouvelles compétences transversables, multiples, qui sont celles du référentiel de compétences européen qu'on connaît bien maintenant et qu'on a introduit dans les programmes de collège et de lycée, avec un outil d'ailleurs qui a été développé, PIX, qui permet aussi de les évaluer, de s'auto-évaluer et de progresser dans ses compétences. C'est absolument essentiel parce que sans ces compétences, sans cette éducation au numérique et aux médias numériques en général, les élèves n'ont pas la maturité, l'autonomie et les moyens de protéger aussi, de se protéger des risques qui sont associés à l'utilisation du numérique en classe. Donc, moi, je pense qu'il faut, il faut être très, très attentif à cela et que toutes ces manipulations techniques et ces organisations complexes liées au système numérique mis en place et aux outils numériques doivent être complémentaires de l'acceptation et de l'appropriation de ce nouveau paradigme d'enseignement. D'abord, sur la question du numérique et de l'efficacité pédagogique, ou ce qu'on appelle parfois la performance scolaire, je voudrais insister sur le fait qu'il n'y ait pas de malentendu, et d'ailleurs toutes les études l'ont montré, on n'a pas constaté de corrélation entre la mise en place d'outils numériques et des résultats scolaires améliorés. Globalement, on peut le trouver ponctuellement, mais on a toujours vu, vraiment, c'est un constat général, que quand il y a une amélioration des résultats scolaires, c'est parce que les outils numériques, l'introduction des outils numériques a été accompagnée d'une politique, une vraie politique pédagogique favorisant l'innovation et la formation des enseignants. Et c'est pas... On ne peut pas considérer que parce qu'on introduit le numérique en classe, il va y avoir automatiquement des pédagogies plus innovantes ou plus efficaces ou des meilleures performances scolaires. Alors, cela dit, on a constaté que les professeurs qui sont souvent d'ailleurs, indépendamment du numérique, de très bons enseignants, ceux qui m'ont convaincu que le numérique pouvait beaucoup apporter aux résultats scolaires, au progrès des élèves. C'était des enseignants qui avaient une vraie réflexion pédagogique et qui ont utilisé les possibilités du numérique pour d'abord diversifier les scénarios, parce qu'on sait très bien que les profils des élèves sont différents, que même si au départ ils ont des capacités cognitives équivalentes, la vie, l'environnement culturel, leur histoire a fait qu'ils ne les ont pas développés de la même façon et au même rythme. Donc, le numérique permet d'adapter et de diversifier des scénarios pour que tout élève puisse apprendre et progresser. Donc, cette possibilité d'adaptation et de personnalisation me semble l'élément le plus intéressant. Le numérique permet aussi, et là c'est surtout effectivement la pédagogie inversée, permet de préparer plus en amont le cours et de faire en sorte que les élèves en classe, que la classe devienne un lieu où l'élève peut véritablement s'exercer, poser des questions, échanger avec les autres, échanger avec l'enseignant et être dans une activité, dans un apprentissage actif. Tout ce qui peut être consulté avant sous forme de vidéos ou de ressources pédagogiques qui vont lui permettre ensuite de mieux comprendre et de s'exercer en classe, étant reporté avant ou après la classe, en autonomie, parce que là, il a moins besoin de l'accompagnement du professeur. Et le professeur peut vraiment se concentrer en classe sur l'accompagnement de ses élèves et la réponse aux besoins de ses élèves. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important, c'est que la notion de classe s'élargit et qu'il y a tout ce qu'on peut en autonomie faire avant, ou pour ceux qui ne peuvent pas le faire de chez eux d'ailleurs, ces professeurs avaient souvent prévu un temps au début de la classe de consultation, de prise de connaissance d'un certain nombre de ressources pour qu'ils puissent ensuite poser leurs questions, ou en CDI, ou dans un espace de l'établissement qui leur permette d'avoir accès à ces ressources mises à leur disposition s'ils n'avaient pas pu le faire de chez eux. Donc là, on voit bien d'ailleurs que toutes ces pratiques ont été extrêmement utiles pour assurer la continuité pédagogique pendant la crise sanitaire et le confinement, par exemple. Donc, ça a conforté les constats que j'avais pu faire et ça s'est particulièrement développé et accéléré pendant cette période. Ce qui est aussi intéressant, c'est, alors on parle de la motivation, là aussi il y a une unanimité, c'est vrai, en tout cas dans un premier temps, même si ça n'est pas sur la durée, mais il y a toujours cet effet qui n'est plus un effet de surprise, mais un effet de stimulation de l'attention des élèves quand on passe sur des outils numériques. Et aussi la possibilité de relancer leur attention par l'aspect qui n'est pas toujours présent, mais qui peut être ludique, où, par exemple, l'élève peut être relancé, revenir sur son erreur, tâtonner, expérimenter, faire jouer, simuler différentes hypothèses, et puis arriver lui-même et presque en autonomie, même s'il est toujours guidé, accompagné, à trouver la solution à une interrogation, à un exercice ou à une hypothèse. Voilà. Autre élément vraiment très important du numérique qui a un apport considérable, c'est pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, mais ça depuis le début, on a toujours constater que le fait que tout puisse être numérisé, les contenus d'enseignement puissent être numérisés, donne la possibilité d'adapter ces supports et ces contenus. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Je prends un exemple tout simple. À partir du moment où on va prendre un texte, un texte est numérisé, sur une tablette, les fonctionnalités de la tablette permettent de grossir ce texte, de le colorer, de le découper en fonction des besoins, des exercices, même de le rythmer, de faire ressortir certains éléments, de l'associer à des, à des bulles, à des liens hypertextes qui vont renvoyer l'élève vers d'autres espaces où il va trouver des ressources pour mieux comprendre. Voilà, on a toutes sortes de possibilités d'adaptation et de prolongement de travail pour l'élève qui sont d'une richesse infinie et qui, évidemment, contribuent aux apprentissages. Ce qui est très important aussi, et j'en terminerai là, parce qu'il y a évidemment encore d'autres apports, c'est la possibilité de collaboration et d'échange entre pairs, parce que le numérique, ce sont aussi les réseaux, c'est aussi un moyen de communication qui permet à la fois de partager. Alors moi, je suis professeur de lettres au départ, donc souvent je prends des exemples en français, en lettres, partager sa lecture, partager ses commentaires, approfondir un texte, échanger ses impressions, construire une interprétation, écrire à plusieurs mains, améliorer son écriture, corriger ses fautes. Dans tous les domaines de l'apprentissage des lettres et du français, le numérique est d'un apport considérable. Pour moi, le numérique est d'abord une écriture, une nouvelle écriture. Donc, c'est un instrument d'écriture extraordinaire. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça, et de cette manière-là, que je suis arrivée moi-même à m'intéresser au numérique pour toutes les possibilités de lecture et d'écriture qu'il offrait, dans la continuité des humanistes d'ailleurs. Écriture, lecture, édition, commentaire et partage du plaisir d'apprendre, de lire et d'apprendre. Donc voilà, mais je ne suis pas en train de faire, faire la publicité pour le numérique. Je dis simplement que quand l'environnement est correctement installé et les professeurs ont la formation et la préparation nécessaires à cette ingénierie pédagogique qui ne va pas de soi, évidemment, le numérique améliore considérablement la performance scolaire et surtout pour les élèves en difficulté, qui sont aussi des élèves à besoins éducatifs particuliers et qui peuvent retrouver là un nouvel élan, un nouvel intérêt, une nouvelle motivation pour les apprentissages scolaires. Sur la manière de travailler, oui, on l'a dit, de même que les élèves ne sont plus seuls, on apprend en soi, on apprend seul, mais on apprend avec les autres et des autres. Je crois que c'est la même chose que pour les professeurs. Donc, d'abord, ils doivent apprendre à travailler autrement, non seulement avec des outils, mais des environnements nouveaux, hein, comme je viens de le dire, et il faut qu'ils apprennent à les maîtriser, à les organiser et à concevoir et à élaborer leur cours, parce qu'il s'agit encore de cours, en fonction de ces nouveaux outils, de ces nouveaux environnements, en tenant compte, mais surtout en déployant toutes les possibilités. Donc, pour les professeurs, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, qui est nouveau pour un certain nombre d'entre eux, parce qu'eux-mêmes n'ont pas appris comme ça. Donc, même les jeunes, il ne suffit pas d'apporter des pratiques sociales du numérique pour savoir enseigner avec le numérique, de même qu'il ne suffit pas de savoir parler anglais pour enseigner l'anglais. C'est la même chose, il ne suffit pas de pratiquer soi-même le numérique pour être capable de mettre en place une pédagogie numérique avec tous les avantages et les possibilités que je viens de décrire. Donc, ça demande une formation. Mais cette formation elle-même, il faut la concevoir autrement, parce qu'on voit bien que les premières formations au numérique qu'on a faites étaient très théoriques pour beaucoup de disciplines. Alors, quand c'était en mathématiques ou en informatique, en technologie, bon, il y avait un lien direct entre l'informatique et la discipline elle-même, donc les professeurs voyaient bien le lien. Mais les premières années, je me souviens à l'époque du B2I, par exemple, qui était censé, ce brevet informatique et Internet en collège, être fait, que tous les professeurs devaient contribuer à faire passer à leurs élèves. En réalité, il y avait que le professeur de technologie qui s'en occupait, et encore, parce que les professeurs de français, de sciences humaines, enfin histoire, géo, art, vous ne voyez pas du tout l'intérêt à s'investir dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que le lien entre les objectifs de leur discipline et l'informatique n'avait pas été fait. Donc ça aussi, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il faut une réflexivité et les professeurs ont besoin, au sein de leur discipline, d'échanger et de comprendre, et ils ne l'apprennent que des autres, des pionniers, de comprendre ce que finalement ils peuvent faire pour leur discipline et pour leurs objectifs disciplinaires avec ces environnements numériques. Pour moi, les meilleurs modes de formation dans ces cas-là, c'est la formation par les pairs. C'est la formation par les pairs parce que quand un pair s'est lancé à expérimenter certaines façons d'enseigner ou de travailler avec leurs élèves et qu'il a obtenu des résultats, il a envie de le partager d'abord et ça donne des idées à ceux qui hésitent à se lancer. Alors, c'est ce que j'ai constaté et vraiment beaucoup apprécié dans cette mouvance, ce mouvement de la classe inversée, qui n'est pas une secte, qui n'a pas de doctrine. Vraiment, ce qui caractérise les enseignants qui pratiquent la classe inversée, c'est que chacun la pratique à sa façon et qu'ils sont en perpétuelle découverte, recherche et expérimentation, et qu'il n'y a pas de solution clé en main, mais qu'ils échangent en permanence des idées et des solutions. Donc, pour le système éducatif, si on veut former les professeurs au numérique, ce n'est pas simplement en leur apprenant à se servir des outils, encore que parfois découvrir les fonctionnalités des outils, c'est très intéressant, ça donne des idées, mais c'est plutôt leur permettre d'avoir des moments de partage de ressources, des plateformes qui leur permettent d'échanger leurs ressources aussi parce que c'est lourd à échanger. Donc, ils n'ont pas toujours les outils, les possibilités de partager leurs ressources et leurs idées et leurs séquences pédagogiques. Et puis, quand c'est possible de le faire en présentiel, moi, j'ai bien vu qu'on avait beaucoup développé à partir du moment où on a eu la stratégie numérique, d'introduire le numérique, de changer l'école avec le numérique, comme on avait appelé ça. J'ai vu se développer des assises du numérique, comme celle que vous êtes en train de faire, qui étaient des moments essentiels, non seulement pour se retrouver, mais surtout pour échanger les pratiques, réfléchir sur ces pratiques, développer des idées nouvelles, développer des outils nouveaux aussi, mieux identifier nos besoins, et les besoins en accompagnement, mais aussi les besoins en développement d'outils, de systèmes d'information, d'espaces d'échange, d'espaces, par exemple, pour la classe inversée, ils avaient besoin d'une plateforme pour déposer leurs vidéos. C'était vraiment quelque chose de très important. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais c'était une des problématiques essentielles. Comment s'échanger des vidéos, sur quelle plateforme, sur quel espace numérique de travail les déposer, comment les sécuriser, etc., etc. Alors, je ne sais pas si je peux donner des conseils, mais en tout cas, je peux dire que cette question des espaces numériques de travail, elle est essentielle. Parce que la classe n'étant plus le seul lieu des apprentissages, en lien avec quand même l'école et les professeurs, il faut avoir ces espaces virtuels qui prolongent, qui sont dans le prolongement de la classe, mais ces espaces virtuels où les pratiques, les échanges, les informations, les données, les ressources, les services puissent être utilisés dans un cadre protégé, sécurisé pour les élèves. Et la question s'est posée dès le départ. À la fois, il fallait que ce soit un cadre d'interopérabilité entre les différentes ressources, parce que chaque éditeur a ses normes différentes, ses systèmes différents. Et et donc, il faut rentrer dans le système Apple ou rentrer dans le système Android, rentrer dans des systèmes d'informations qui ne sont pas forcément compatibles avec l'autonomie, la souveraineté de l'éducation nationale, on va dire, et surtout avec la protection des données personnelles des élèves. Donc, par exemple, pour accéder aux ressources des éditeurs, même si le ministère s'est entendu avec les éditeurs pour labelliser, enfin, ce n'est pas de la labellisation d'ailleurs, mais pour contribuer à la production de ressources numériques adaptées au programme scolaire, encourager cette production de ressources numériques. Après, il fallait que les élèves puissent avoir accès à ces ressources et dans des espaces protégés, et qu'au moment où ils s'identifient, par exemple, pour accéder à la ressource qui a été, par exemple, achetée par l'établissement, ou par le ministère d'ailleurs, pour certaines, son identité, son identifiant et ses données personnelles ne soient pas captées. Donc, on a beaucoup travaillé à cela, et c'est vrai qu'on l'a fait avec les ENT, parce qu'on aurait pu créer un espace unique pour l'ensemble du système éducatif, centralisé, un ENT national. Ce n'est pas le choix qui avait été fait. Le choix avait été fait bien avant moi, d'ailleurs. On avait, à partir du moment où sont les collectivités qui financent les équipements, on avait laissé aux collectivités le choix de leurs espaces numériques de travail, mais en laissant ouvert le marché. Mais on a créé des cadres de confiance. On a créé des cadres de confiance et des procédures d'accès sécurisées, avec un gestionnaire d'accès aux ressources numériques. Et on a réussi donc à concilier ce double besoin qui était celui à la fois d'échanges libres, fluides et ouverts, à la fois de pratiques de travail, de lieux de travail sécurisés et de ressources. Et en même temps, on a réussi à le concilier avec des procédures techniques comme celle de l'accès, donc de l'authentification, de l'étanchéité, du paramétrage des droits d'accès. Et donc, ce gestionnaire d'accès aux ressources qui a été mis en place, ça a été un long labeur, mais on y est arrivé, pour qu'entre les éditeurs d'un côté et les éditeurs d'ENT, donc les ENT, et les pratiques des élèves, l'apprentissage des élèves, il y a une étanchéité totale. Alors, c'est un peu technique ce que je raconte, mais en tout cas, ça a été quand même quelque chose d'important. Ensuite, les cadres de sécurité juridique, eh bien là, il s'agissait de définir des cadres réglementaires, de conditions d'utilisation des données des élèves. Donc, on a avancé, non seulement avec la CNIL, mais d'une manière générale en définissant les obligations, les règles de transparence, qui a le droit de faire quoi, pour quel usage, dans quel but, dans quel cadre, pour quelle utilisation, à quel coût aussi. Et donc, ça, ce sont les cadres juridiques. Et puis surtout, les cadres éthiques. Et là, les cadres éthiques, ça rejoint l'éducation numérique dont on a parlé tout à l'heure, les compétences nouvelles, transversales, respect d'autrui, responsabilité dans le partage d'informations, l'utilisation des images, le droit d'auteur, etc. Toutes ces règles d'échange et de vie en commun et de travail en commun qui se transmettent surtout à travers la mise en pratique dans les classes et l'éducation au numérique et aux médias. Alors, je précise que ces cadres ne sont pas faits, qu'ils soient techniques, juridiques ou éthiques, ne sont pas des cadres qui sont faits pour limiter ou restreindre le champ des libertés, mais au contraire pour les permettre. On ne peut pas échanger de manière fluide et libre si ces données, ces informations, si on n'a pas des cadres très précisément, très explicites et très rigoureux sur ce plan-là. Je pense que le RGPD a permis aussi de définir les grands principes et les grandes orientations dans cette matière-là. et que pour une gouvernance, il faut tenir les deux bouts. Je n'aurais pas de conseil particulier, mais je pense qu'il faut garder en tête ce cahier des charges, être vigilant pour que ce soit indolore, en tout cas pour les élèves et les professeurs. Que le professeur n'est pas, ou le chef d'établissement n'est pas en permanence à s'interroger sur est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que je peux travailler avec cet espace, est-ce que cette ressource est autorisée, est-ce que... Il faut que ça devienne lisse et transparent, et les ENT doivent permettre cela. Je voulais vous remercier de m'avoir invité à m'exprimer dans le cadre de ces assises. Ça m'a fait très plaisir parce que ça faisait longtemps que je n'avais plus pris le temps de me consacrer à ces questions qui m'ont beaucoup occupée et passionnée. Donc, j'espère que j'ai répondu correctement à vos attentes et que cela va vous aider à rebondir et à avoir quelques lignes de travail pour vos ateliers, pour vos assises. En tout cas, je vous souhaite vraiment pendant ces 3 jours des échanges fructueux. Je vous souhaite beaucoup de plaisir aussi à travailler sur ces questions dont on a vu qu'elles étaient essentielles pendant cette période difficile de la crise sanitaire et combien ces nouvelles compétences, ces nouveaux environnements, ces nouvelles manières de travailler, d'enseigner et d'apprendre étaient précieuses pour la continuité du système éducatif. Donc, bonne journée d'assises et je vous remercie. À très bientôt.